digne l'agneau. Oh, digne l'agneau assis sur le trône, couronné de mille coups. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu ce matin. Au nom de Jésus, parle à chacun d'entre nous. Change nos vies. Donne-nous à comprendre, Seigneur, tes projets pour nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais vous parler brièvement ce matin. Et c'est une charge que je vais vous confier, une mission. La charge en grec voudrait dire épiscopale. Une charge. Une charge que je. Une mission que je vais donner à tout le monde ce matin. Et je crois que c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêts? Qui veut aller pour le Seigneur? Je crois que... Est-ce que le micro là fonctionne aussi? Ok. Alléluia. Donc, je vais vous parler de ce que Dieu attend de nous. De nous, oui, ou, oui. Et ce que Dieu aime. Quel est le projet de Dieu maintenant? Le projet de Dieu. Ce que Dieu veut. Alléluia. Ce matin, très tôt. Et que mes mouvements sont multiples et je n'arrive pas à acheter les billets à temps. Et donc, plus la date approche, plus les billets sont chers. Je n'arrivais pas à acheter le billet parce que je n'avais pas suffisamment. Et puis, le matin, très tôt, il y a un frère qui m'appelle. Il me dit, j'ai trouvé un billet en aller simple. J'ai dit, oui, c'est bon. Il dit, je l'ai acheté. Il l'a acheté, je dis, ça fait combien? Il dit, l'aller simple fait 785 €. Je dis, waouh, c'est bon. Je te rembourse rapidement.
dans la semaine à venir. Il dit, oui, pasteur, mais ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Si c'était pour aller prêcher l'évangile et qu'une âme soit sauvée, voilà, je t'offre ce billet. Je t'offre ce billet. Tu n'as pas à me payer. Je dis, waouh. Je dis, mais tu n'as pas prévu ça. Il dit, oui, mais pasteur, moi aussi je vais investir dans ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. J'étais très content. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est ce qu'il a dit. Je veux aussi participer, investir, contribuer à ce que Dieu fait. C'est-à-dire, aller gagner une âme. Alléluia. Alléluia. J'ai cru comprendre que ce frère comprend le cœur de Dieu, le projet de Dieu, ce qui est l'objectif de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit, sois béni. Mais je vais continuer à prier pour lui. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait des milliards. C'est pas ça? Afin que quiconque croit en lui ait un bon mari, une bonne femme, une belle voiture, des jets privés. Afin que quiconque croit en lui puisse être content d'être un Gaulois, une Gauloise, un Viking, une Viking, ou un Africain, ou un Américain. Non? Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ce n'est pas ça? C'est moi qui me trompe? Vous voulez me dire que je suis un mauvais prédicateur? Alléluia! Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 33 dit, Dieu, est-ce que vous voulez lire? Je ne vais pas paraphraser. 33? Jean 3, lisez-moi. 33, oui. Oui. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé, oui. Dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne point d'esprit avec mesure. Continue. Verset 35. Oui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et lui a remis toutes choses entre ses mains. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie ou n'aura point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur cette personne-là. Vous êtes des chrétiens ici? Vous voulez voir s'abattre sur les gens la colère de Dieu?
sur vos familles, sur vos enfants, vos fils et vos filles. On a prié tout à l'heure pour le garçon. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois. Il dit, mais laisse l'enfant. Ce qu'il veut, il n'a qu'à le faire. Et je lui ai dit, je préfère que mon enfant soit prisonnier de Jésus-Christ que d'être prisonnier du monde. Et la personne m'a dit qu'elle est choquée du fait que je veux que l'enfant soit prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire je veux qu'il soit absolument chrétien, je ne veux pas lui laisser le choix. Je veux pas lui dire que va dans le monde, quand ça te plaira, tu viens à Jésus. C'est ça la mentalité. La Bible dit, éduque l'enfant dans les voies du Seigneur. Et quand il va grandir, il ne s'en écarte pas. Mais lorsque vous ne l'éduquez pas dans le Seigneur, vous lui dites, vas-y, fais ce que tu veux faire. Et puis l'enfant va continuer. Oui, il a le droit de faire son choix. Mais son choix ne sera jamais le meilleur. Il a de l'influence à l'école, dans la ville, partout il passe. Il a de l'influence. Mais ma Bible me dit, Paul dit à Timothée, prêche l'évangile. Tant favorable ou pas, insiste. Qui est ici sait que la chose est bonne. Et tu ne vas pas insister à ce que ton enfant aille vers cette bonne chose. Tu vois la vie là, et puis tu vois ton enfant qui s'écarte de la vie, qui va vers la mort. Et puis tu lui dis, ok, je le laisse le choix. Je vais quand même insister. Je vais lui dire, fils, Dieu, c'est ici la vie. Là, c'est la mort. Va pas là-bas. Je ne vais pas me taire en lui disant, ok, toi-même va. Le jour tu feras le choix de venir à la vie. S'il voulait. Vous êtes fâché? Vous m'écoutez? Alléluia. Les familles en France. Écoutez, vous pouvez m'écouter. Vous pouvez vous fâcher contre moi. C'est normal. Vous avez votre choix. Mais ce que moi je sais, en tant qu'un homme de Dieu, qui, excusez-moi un peu, a parcouru un tout petit peu le monde, j'ai vu et j'ai fait des expériences. J'ai vu que la Bible est vraie. Personne n'a la vie. Aujourd'hui, tu marches, tu manges, tu danses, tu fais tout ce que tu veux faire. Hey, jeune ado, tu es content, tu as des amis. Beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous faites ensemble. Mais regardez-moi. Lorsque vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve en son Fils Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, alors que je faisais une croisade en Amérique latine, entre Guatemala et Mexico, je faisais 21 jours, chaque soir, je prêchais. Le 19e jour, j'étais fatigué. J'avais demandé au pasteur qui m'a invité. C'était une croisade en plein air. Et encore dans les montagnes, au sommet des montagnes. Il faut escalader les montagnes. J'étais fatigué. Et j'avais dit au pasteur, ce soir, je te laisse les soirs restants. Tu continues. Et la nuit, je dors. Et je fais rêve. J'ai vu, vous connaissez le grand évangéliste là qui avait beaucoup prêché en Afrique, Reinhard Bonnke, paix à son âme. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Je l'ai vu apparaître dans mes rêves. Et il me dit, à l'époque, il n'était pas encore décédé. Même s'il était décédé, il n'y a pas de problème. Il vient dans le rêve, il me dit,
Mais le Seigneur te demande de faire la mission, de prêcher l'évangile de vie. Et toi, tu dis, tu es fatigué. Vas-y, continue ta mission. Vas-y, n'arrête pas. Il dit, n'arrête pas. Et puis d'un seul coup, il a disparu. Je me suis réveillé le matin. Waouh! Je dis, c'est pas possible. J'ai commencé à prier. Et j'ai comme une terrible obstruction qui m'a saisi. J'ai dit au pasteur, je prêche encore ce soir. Il a dit, hier, c'est ce qu'on attendait de toi. Mais vous savez, le soir là, ce qui m'a le plus touché, il y a beaucoup qui se sont convertis, mais il y avait un homme qui a abandonné le Seigneur. Il n'est même pas venu sur le terrain de croisade. Il était dans sa maison, dans sa chambre. Et tellement qu'on a augmenté le volume, j'ai dit, augmente-moi le volume. Je veux que tout le village, toutes les montagnes soient couvertes. Tu sais écouter ce que je dis. Et le monsieur retrogradé là, écoutait l'évangile. Il était touché par la présence de Dieu. Le lendemain, il est couru. Il a couru, excusez-moi. Il est venu chez le pasteur et dit, je veux retourner à Jésus-Christ. Je veux retourner à Jésus-Christ. Je veux retourner à Jésus-Christ. Alléluia. Et quand le pasteur m'a dit, j'ai dit, waouh. Je dis, est-ce qu'on peut augmenter encore les jours de croisade? Je veux continuer. Alléluia. Un jour, pendant que je faisais des croisades au Bénin, dans un village rempli des idoles, on prêchait, les gens étaient là, en train de nous envoûter, lancer des incantations. Je leur disais, je sens rien, si vous pouvez aller réactiver vos choses et revenir. Alors, pendant que j'ai fini de prêcher, que j'ai commencé à prier pour les gens, il y a un jeune homme qui a quitté la foule. On a lancé l'appel. Il n'a pas répondu, mais il est passé, c'est comme Nicodème, il était comme Nicodème. Il est venu derrière le podium. Il a dit, je veux voir le pasteur. Il dit, pasteur, je suis un gros sorcier, un grand sorcier, j'ai plein de griffes chez moi. Mais pendant que tout le monde me connaît dans le village, si je venais sur le devant, ils voulaient me connaître. J'ai fait tellement du mal, mais maintenant que j'ai écouté la parole, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, mais j'ai peur. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec mes griffes? J'ai dit, amène-les tout de suite. On va les brûler. Il est parti à la maison. Il a ramené tout. On a tout brûlé. Et le Dieu a donné sa vie à Jésus-Christ. J'étais rempli de joie. J'ai dit, wow, Seigneur, je veux encore. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les Français. Les métropolitains, c'est comment on les appelle? Dieu les aime. Dieu vous aime. Si vous me regardez en ligne, Dieu vous aime. Mais vous savez ce qui se passe en France? Il y a beaucoup de choses qui se passent en France qui ne contribuent pas à l'évolution de l'évangile pour que vos familles soient sauvées. Je suis là ce matin, je m'adresse à vous tous. Vous pouvez vous fâcher contre moi, mais je sais que je dis la vérité. Je vais partir, mais la vérité restera. Faites en sorte que vos familles soient sauvées. Faites en sorte que les vies soient sauvées. Retournez dans vos familles. Parlez de Jésus dans vos familles. Il n'y a rien de plus précieux qu'une seule vie soit donnée à Jésus. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Et s'il perd son âme, s'il perd son âme, s'il perd son âme, s'il perd son âme. J'étais à Alabama aux États-Unis, je prêchais l'évangile dans une église, après avoir prêché, une petite fille de moins de 15 ans, 14 ans, qui avait les larmes aux yeux. Elle est venue. Elle a sauté sur moi. Elle m'a embrassé et dit, thank you.
sharing Jesus with me. Thank you for giving me life. Il dit, merci, puis il l'a coulé. Pendant qu'elle pleurait, je pleurais quoi. Je dis, j'étais tellement touché. J'ai dit, waouh, une petite fille qui a connu la valeur de la vie éternelle. Qui es-tu en train de m'attendre ce soir, ce matin? Pas de ce lieu sans pouvoir confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça sera mal fait. Ça sera mal fait. Tu ne gagnes rien dans ce monde sans Jésus. Dieu nous a donné la vie éternelle. Vous savez? J'ai fini. Je vous charge. Quand vous rentrez chez vous, je vais vous montrer certains passages qui parlent de comment nous devons, de ce que Dieu a cœur pour nos familles respectives. Alléluia. 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 J'ai fait une promesse à Dieu. Je dis, Dieu, aucun membre de ma famille nous mourra sans toi. Quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais dans les drogues, j'étais dans la cigarette, j'étais dans cette mauvaise vie. À l'âge de 9 ans déjà, mon père est parti sans Jésus. Ça m'a énervé quand j'ai rencontré le Seigneur à 14 ans. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a poussé à être dans la drogue à 9 ans? Si j'avais connu le Seigneur, mon père n'allez pas mourir sans Jésus. Vous comprenez? Hein? Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tout le monde dans ma famille doit te connaître. Et aujourd'hui, tout le monde dans ma famille sont au Seigneur. Y compris mes propres enfants. J'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Ils sont tous au Seigneur. Ils sont des ados. Mais ils sont au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Dans Actes chapitre 16, je crois à partir du 25e verset, lorsque Paul et Silas étaient dans cette prison, et au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu, la Bible déclare, il y a eu un tremblement de terre où les murs de la prison furent écroulés, n'est-ce pas? Et les chiens se détachèrent de tous les prisonniers. Et le geôlier, c'est-à-dire le gardien, a pris le couteau, il allait se tuer, n'est-ce pas? Et Paul croyait que les prisonniers se sont enfuis. Et Paul a dit, non, Paul et Silas dit, ne te fais aucun mal. Nous tous nous sommes ici. Alléluia. 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 Vous êtes là? Il dit, ne te fais aucun mal. Je ne veux pas que tu meurs. Ne te fais aucun mal. Et il a dit, que faudrait-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas lui ont regardé. Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez-moi, toi et ta famille. Ta famille et toi, vous serez sauvés. Si tu crois au Seigneur Jésus. Et donc, chaque fois que nous croyons au Seigneur Jésus, la mission que Dieu nous donne, c'est que nous vérifions à ce que nos familles aussi puissent venir à Jésus-Christ. Si tu es ici et que ta famille est éloignée de Dieu, je te charge. Ce matin, fais tout, prie. Si tu lui parles, si tu leur parles de Jésus et qu'il te rejette, continue toujours par leur parler de Jésus. N'arrête pas, cesse pas de leur parler. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé et que ta famille aussi soit sauvée. Vous êtes en France, vous êtes sauvé. Il faut que les familles françaises soient sauvées. Alléluia. 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 Vous comprenez? Vous comprenez? Qui est là? Qui veut aller? Ce que tu cherches comme argent, peut-être que tu l'as pas encore. Dieu ne s'intéresse pas trop à ça. Non, là où Dieu va s'intéresser à tes milliards ou à tes millions, c'est quand tu vas commencer par les investir. Pour que les âmes soient sauvées. Mais lorsque tu as ton argent et que ton objectif, c'est de se faire beau belge, il n'y a rien de mauvais en ça. La
Chaque jour, tu es en train de faire des cours. Tu es, quand on va dans les magasins pour acheter, comment vous faites ça? C'est quand on achète de nourriture, quand on fait les courses, ou c'est toujours les courses? C'est toujours les courses? Ok, apprenez-moi. C'est toujours les courses? Yeah, on fait les courses pour s'habiller. Yes, c'est pour moi. L'autre fois, je me suis acheté un costume parce que je dois aller faire un mariage. C'était beau. J'ai dit, waouh. J'étais content. Puis, quand je partais, le Seigneur m'a dit, l'homme ne prend pas seulement de costume, ni de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Combien de personnes t'as pu toucher ce soir, ce matin? Il me demandait. Le costume était beau. Je me contentais. Il dit, combien de personnes t'as pu toucher ce matin? Combien de personnes à qui tu as annoncé le salut? Et puis, finalement, j'ai eu honte, quoi. Il dit, oh, alléluia. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu possèdes, si tu l'utilises pour la cause de Dieu, eh bien, Dieu va t'en donner plus. Mais si tu veux les avoir tout simplement pour les avoir, eh bien, Dieu ne s'intéresse pas à cela. Ce que Dieu, ce à quoi Dieu s'intéresse dans ta vie et que Dieu veut que tu fasses, c'est que ça soit sauvé. Allô? Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Dieu a besoin de vous. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a besoin de toi. Dis, Dieu a besoin de toi. Dis, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta famille. Alléluia. Alléluia. Mon seul problème aujourd'hui est que un jour, quand je serai auprès du Seigneur, ou quand Jésus viendra nous chercher, je serai avec lui en train de vous rejouir. Je ne vais pas voir mon Père. Peut-être il est sauvé, je ne sais pas. On lui a annoncé quand même l'évangile, quand il était. Mais il a dit, s'il guérissait, il acceptait le Seigneur. Mais il était mort après. Je ne sais pas si réellement il a accepté le Seigneur avant de partir. C'est le seul souci que j'ai. Alléluia! Un jour viendra! Quand on sera avec lui, on serait en train de se réjouir. On chantera! On dansera! On serait dans la joie! Il n'y aura plus de pleurs! Il n'y aura plus de coronavirus! Il n'y aura plus de quelqu'un qui va prendre! Oh! Alléluia! Une mitraillette en train de tuer les autres! Non, il n'y aura plus ça là! Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est là que Dieu veut nous voir. Vous êtes prêts? Alléluia. 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 Si tu sors de ce lieu, ne ferme pas ta bouche. Va parler de Jésus à quelqu'un. Et envoie la personne à cette adresse. Église Bon Samaritain. Où est l'adresse, pasteur? 71 rue Étienne Dolet. Yes. Les gens connaissent ici. Beaucoup connaissent ici. Envoyez-les. Quand tu lui donnes l'adresse, il va venir. Je prêchais à une grande église avant, là, ici, dans cette salle. Les Haïtiens. Ils sont nombreux. Donc les gens connaissent ici. Prêche l'évangile. Je dis prêche l'évangile. Dis à un membre de ta famille, Jésus a besoin de toi. Regardez, fais pas de la philosophie. Un jour, est-ce que je peux vous lire un verset? Est-ce que vous notez les versets que je cite là? Je peux vous lire un verset et puis je termine. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris? Alléluia! 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 Jésus est à la porte. Jésus vient bientôt. Jeune homme! Jeune garçon, il n'y a rien dans ce monde. Regardez, j'en ai fait 9 ans dans la drogue. 12 ans, 11 ans, déjà avec les filles. Excusez-moi, elle va écouter, sera fâchée. Ma première fille que j'ai eue, c'était hors du mariage. Vous voyez, un jeune homme comme moi, 13 ans, qui en s'était déjà une fille, vous comprenez?
voyez tout ce qui est là, tout ce que le monde vous offre, et puis vous êtes très content, vous voulez tout expérimenter, je vous dis, tout est vanité. Vanité des vanités. Venez à Jésus. Il y a des plaisirs en Jésus. Dès que je l'ai raconté, ma vie n'est plus restée la même. Alléluia. 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 J'étais dans le monde. J'ignorais encore le Seigneur. Mais le jour où je l'ai raconté, ma vie a connu une nouvelle tournure. Je dis vrai, je dis vrai, je dis vrai. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est que mon cœur, c'est que tout le monde vienne à Jésus. Tu feras une expérience avec Dieu, tu ne l'oublieras jamais. Tu vas dire, qu'est-ce qui m'a empêché de le connaître si tôt? Alléluia. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, celui qui trouve, lit, pose-moi. 2 Pierre 3, 9. Alléluia. Verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Regardez. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Vous qui nous suivez en ligne. Le Seigneur ne veut pas qu'une seule personne périsse. C'est le cœur de Dieu. Quand il a donné libre arbitre à chacun. Mais son désir ardent, son cœur, il a dit, j'ai mis la mort et la vie devant vous. Mais moi, le Seigneur, je vous conseille de choisir la vie pour que vous viviez. Dieu n'a jamais dans l'intention de voir quelqu'un périr. Son désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Continue la lecture. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous arrivent à la repentance. C'est ça le cœur du Seigneur. C'est ça le plan du Seigneur. C'est le projet. Regardez, je vais vous choquer. Venir à l'église, c'est bon. Et nous voulons amener le monde dans ce lieu. Nous voulons que les gens soient gagnés. Mais l'objectif, ce n'est pas que tu sois gagné, que tu viennes à l'église et que tu restes à l'église improductif. Inutile. Mais tu viens à l'église et tu deviens un porteur de fruits. Tu portes de fruits comment? En amenant d'autres personnes. En ramenant d'autres personnes. En étant armé de cette mentalité, cette idée. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la se repentir et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Jésus n'est pas encore venu. Non. Dieu attend, regardez. Et Dieu use de cette patience. La patience, n'est-ce pas? Dieu use de cette patience. Et Dieu nous dit, allez. Et nous, nous sommes en train de dire, non, nous sommes contents d'être là. Je m'occupe de mes affaires. Je fais ce qui me semble bon. Je donne des arguments. Alléluia. 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 Le Seigneur nous envoie. Il dit, il use de patience parce qu'il veut que tous se répandent et parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent au salut. Le salut. Le salut. Le salut. Le salut. Le salut. Le salut. Parce que tu sais pourquoi des fois j'hésite de venir rester. Pas. La France, c'est pas mal. Mais tellement que je vois que les choses sont coincées ici. Tu vois? Et que d'autre part, j'ai quand même. Je ne veux pas. Je ne veux pas venir et puis mon ministère sera commencé. Non. Je veux prêcher l'évangile. Je veux voir les âmes sauvées. Je veux voir Dieu toucher les cœurs. Et vous avez besoin de t'aider, vos pasteurs, de nous aider. Alléluia!
région parisienne. Tu vois une congrégation de combien de personnes, je ne sais plus. Ils sont nombreux quand même. Je prêchais l'évangile. Et à un moment donné, j'ai demandé aux gens, à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Un monsieur s'est levé. J'ai dit, Paul a dit quoi? Crois et tu seras sauvé, ta famille et toi. D'accord? Et donc, j'ai vu un monsieur qui s'est levé. Quand le monsieur s'est levé, il est venu sur le devant pour confesser Jésus, pour accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Toute l'assemblée, près de 250 à 300 personnes, se sont levées et j'ai comme l'impression que tout le monde pleurait dans la salle. Ça criait. J'étais un peu confus, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas le seul. Et puis j'ai vu une fille qui a attrapé sa maman. Sa maman et elle criait, les larmes coulaient, c'était les larmes de joie. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'on m'a dit? Ce monsieur était un musicien dans le monde. La fille qui a embrassé sa maman, c'est son dit, et qui pleurait avec sa maman, c'était le père. Et le monsieur a refusé de donner sa vie à Jésus. Il venait à l'église par moment, il n'a jamais accepté Jésus. Il peut venir, il est là. Tout ce qu'on dit, ça passe et ça sort. Il n'a jamais accepté. Mais le jour-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, toute la salle pleurait de joie. Ils ont dit, ce monsieur, sauvé, donner sa vie à Jésus. Mais je voyais la fille et sa maman. Ils sont venus, ils m'ont attrapé. Ils ont dit merci. Ils ont dit merci. Ils voulaient me soulever. J'ai dit, déposez-moi tranquille. Il ne faut pas me faire tomber quand même. Et ils étaient toutes contentes. Parce que une seule âme de la famille venait de se donner au Seigneur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Les familles que nous représentons ici, si chacun d'entre nous, nous disons, hé, mon frère Nicolas, mais toi, il est sauvé, sa maman sauvée, son père sauvé, ses soeurs sauvées, tout le monde, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Maintenant, il faut s'orienter vers d'autres personnes. Si chacun d'entre nous ici, nous disons, oui, je veux que les membres de ma famille connaissent le Seigneur. Et que vous vous mettez à prier. Et que vous vous mettez à prier. Cherchez la face du Seigneur par rapport à vos familles d'abord. Et puis après, vous élargissez votre prière pour tous les autres. Il faut que la population française connaisse le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas qu'on périsse. Mais qu'on fasse. Est-ce qu'on peut répéter? Est-ce que vous voulez vous tenir sur vos pieds? Est-ce que vous pouvez me mettre le verset là sur l'écran? Non, vous n'avez pas ce dispositif. Est-ce que vous pouvez lire ça? Est-ce qu'on peut lire ce verset là? Le Seigneur ne veut pas. Oh, alléluia. 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 Yes. Yes. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Le Seigneur vous appelle. Je vous lance un défi. Chrétienne que vous êtes, quand vous sortez de ce lieu, n'oubliez pas ce passage. Jean 3, 16. C'est comment vous le connaissez déjà. De Pierre 3, 9. Et puis, Actes 16. Verset 31 qui a dit, ou verset 31. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Gardez ça. Pose-toi la question. Est-ce que ma famille est sauvée? Est-ce que mes amis sont sauvés? Est-ce que mes collègues de travail sont sauvés? Est-ce que mes camarades de classe, mes camarades d'amphi, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'elles sont sauvées? Alléluia! Vous êtes en mission. Dis, je suis un missionnaire. Alléluia!
dit, je suis missionnaire sur la terre française et partout ailleurs dans le monde. Au nom de Jésus, je ne fermerai pas ma bouche. Je parlerai de Dieu. Au nom de Jésus, je parlerai de Jésus. J'annoncerai l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore écouté et à ceux qui l'ont écouté mais qui endurcissaient encore leur cœur. Je continuerai à leur annoncer l'évangile car le désir ardent de Dieu, le plan de Dieu, le projet primordial de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Au nom de Jésus, dis Seigneur, fais de moi ta bouche. Fais de moi un évangéliste potentiel. Fais de moi un homme, une femme qui ne craint rien, mais qui a la grâce d'annoncer l'évangile de salut à quiconque. Alléluia. Frère, que personne ne vous trompe. Si vous n'avez pas Jésus, vous perdez le sens de la vie. Si vous n'avez pas Jésus, je le répète encore, vous perdez le sens de la vie. Alléluia. C'est comme cet Africain américain, Martin Luther, qui a dit, celui qui ne meurt pas pour une raison a perdu le sens de la vie. Celui qui ne meurt pas, il ne faut pas mourir sans raison. Et la raison primordiale par laquelle tu dois mourir, c'est Jésus. Est-ce que vous voulez relire? Je vais prier puis je m'en vais. Vous voulez lire là? Un pierre, deux pierres là? Deux pierres. Quelqu'un va me dire, pasteur, je n'ai pas la puissance, je ne peux pas le faire. Si on n'a pas le temps, si on avait le temps, je te dirai ce que tu es. Si tu veux, ok, lisez-moi ça. Deux pierres, 3:9. 2 Pierre 3:9. Rapidement. Si vous avez ajouté. Attendez. 2 Pierre 3:6. Oui. Ah, verset 9. Ah, oui. Non. Vous. C'est 2 Pierre. Il y a 2 Pierre 3. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ah, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Yes. Le Seigneur ne tarde pas. Dans l'accomplissement de la promesse. Dans l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire sa venue. Il ne tarde pas. Vas-y. Comme quelques-uns le croient, mais ils usent. Comme quelques-uns le pensent, le croient. Oh, le Seigneur refusait de venir. Pourquoi nous souffrons si tant? Le Seigneur, qui veut partir? Qui veut partir avec le Seigneur? Ce serait le mieux. S'il venait, ce serait le mieux. Mais vous savez pourquoi il tarde de revenir? Parce qu'il y a encore des âmes. Il dit quoi? Envers vous. Il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ayez-le en tête. Des fois, quand je raconte les gens, on parle avec les gens. C'est surtout ici en France. Les gens croient, les gens disent non. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Oui, je suis d'accord. Mais parlons quand même. Mais Dieu, voilà ce que Dieu dit. Il ne veut pas qu'aucun. Il ne veut pas que. Vous voulez répéter? Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu viennes à lui. Vous n'allez pas le regretter. Demain, c'est ta fiancée.
C'est ton frère qui est là-bas, monsieur. Vous êtes des jumeaux. Dieu feu, ne vivez pas sans Jésus. Vous allez le regretter plus tard. Vous comprenez? Que rien au monde ne puisse vous influencer. Rien au monde. Il dit, il ne veut pas qu'aucun périsse. Qu'aucun. Il ne veut pas. Mais regardez, déjà beaucoup qui sont morts. Regardez l'Ukraine. Les gens meurent. La plupart de ceux qui me posent la question, est-ce qu'ils ont le Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont cru? Est-ce que Poutine a cru? Oui. Si la cru, il n'allait pas prendre. Alors vous êtes fâchés? Est-ce qu'il a cru? Regardez en France, je parlais avec le pasteur tout à l'heure, un jeune homme dans une famille composée, il a pris, comment on appelle ça là? Un katana. Et puis il a tué tout le monde, cette personne. Papa, 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 il a tué. Et puis vous voulez qu'on vous dise qu'il n'y a pas de démons en France? Ça, c'est une maladie qui ne peut pas être guérie. Quand vous comprenez comme cela, il y a des démons ici. Sur votre territoire. Qui dit que vous allez me dire non? Ça, c'est un truc intellectuel. Si votre intellectualisme est manipulé par le diable, c'est quelqu'un athée. Il n'est pas athée, un simple athée, parce qu'il ne comprend pas ni Dieu ni rien. Qui vous dit? Il est manipulé par les démons. C'est les esprits qui manipulent. Tous ceux qui sont athées sont manipulés par les démons. Il y a des démons derrière qui manipulent. La Bible dit tout esprit qui ne confesse pas de, qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. Si quelque chose ne vient pas de Dieu, il vient d'où? Elle vient d'où? Voilà. Les Français, vous raisonnez beaucoup. Votre philosophie. Vous êtes fâché contre moi? Non. J'en meurs sans Jésus. Frère, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va prier? Est-ce qu'on va continuer de ne pas assister à ces scènes-là où les gens meurent sans Jésus? Les gens périssent sans Jésus? Et puis il y en a qui sont contents. Ma Bible le dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Ayez-le. Regarde, chaque fois lisez ça. Ça va te dire que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Mais il veut que tous parviennent à la répandance et à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire au sein. Vous comprenez? Vous comprenez? Et quand votre présence est ici, c'est ça. Dieu vous commissionne. Dis Dieu me commissionne. C'est ça, non? Dis Dieu m'envoie. Dieu m'envoie. Dieu m'envoie. Dieu m'envoie d'aller annoncer l'évangile. Le salut, l'amour de Jésus-Christ, l'amour éternel, l'amour infaillible, l'amour qui ne trompe point, l'amour qui ne déçoit jamais. Il m'envoie d'aller annoncer cet amour à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Alléluia. Ton mari peut te tromper. Ta femme peut te tromper. Ta femme peut te dire, je te divorce. Mais Jésus ne te divorce jamais. Alléluia! Alléluia! Il ne te divorcera jamais. Il ne te rejette jamais. Il ne te laissera jamais dans ta merde. Il parviendra toujours dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être toi, en temps de m'attendre ce soir, ce matin, tu pars, tu traverses des choses et tu crois que c'était fini. Je voudrais te dire que ce n'est pas encore fini. Jésus a un plan pour toi. Il interviendra. Je dis, il interviendra. Je dis, Jésus va intervenir. Lève tes deux mains. Dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'aimes. Et tu veux que je transmette cet amour de toi à mes frères, à mes soeurs, aux membres de ma famille, à tout le monde, mon entourage. Seigneur, aide-moi à le faire. Tu m'as donné
la capacité. Peut-être tu ne crois pas. Hein? Vous êtes déjà connecté. Chez vous à la maison, lisez ce verset. Colossiens chapitre 2, je crois. Colossiens chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 12 dit quelque chose de très important pour te dire que tu as la capacité. Je vais tout simplement te faire comprendre que tu as la capacité. Dieu t'a donné la force, t'a donné le pouvoir. Tu peux parler. Moïse a dit, je ne parle pas. Il dit, je suis quelqu'un qui n'a pas le verbe facile. Je bègue. Je n'arrive pas à parler ouvertement. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Je vais t'envoyer. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui le feras. Je le ferai en ta place. Alléluia. Il t'a donné la capacité. Dis, Seigneur, cette capacité qui est en toi. Et tu es en moi. Donc ces capacités sont en moi. Au nom de Jésus, je vais les utiliser pour toucher les perdus, pour toucher ceux qui ne t'ont pas encore connu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. Que ma bouche soit ta bouche, que mes yeux soient tes yeux, que ma langue soit ta langue, que mes mains soient tes mains. Quand je touche quelque chose, qu'il y ait la vie en cette chose-là. Quand je parle de toi à quelqu'un avec des capacités spirituelle à moi, touche la personne pour la convaincre du péché et la ramène au salut au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que tes miracles sont déjà à moi. Comment va se manifester au nom de Jésus? Non, avant de vous laisser prier quelques minutes, papa, si vous êtes ici, vous n'avez pas encore Jésus-Christ. Vous n'avez pas décidé de suivre Jésus. Vous n'avez pas encore confié votre vie à Jésus. Jésus, je ne dis pas quelqu'un qui va dire, tu peux être religieux et ne pas connaître Jésus. Tu vois, connaître Jésus, c'est de le confesser comme son Seigneur et Sauveur, accepter de marcher avec lui, et quand tu ne peux toujours pas marcher avec lui, et lire la parole, et être membre d'une église bien réveillée comme celle-là. Tu vois? Alléluia. Vous êtes ici que vous n'avez pas encore fait ce pas. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Et que vous voulez, ce matin, donner votre vie, lui faire ce vœu, de le suivre toute votre vie. Je veux que vous me fassiez un signe de main. Vous voulez le suivre toute votre vie. Un jour, je prêchais dans une ville. Un monsieur qui avait des maux de ventre. C'est comme la qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Ce monsieur, pendant longtemps, elle souffrait de ces maux de ventre. Elle est allée de médecin en médecin. Des sorciers en sorciers, personne n'a pu le guérir. Le soir, là, pendant que je prêchais l'évangile, j'ai eu une parole de connaissance qui me venait, qui disait, il y a un monsieur ici qui a les maux de ventre. Le Seigneur te guérit à l'instant même. J'ai demandé à la personne de venir sur le devant. Elle n'est pas venue. On est parti. Moi, j'ai fini la phrase, je suis parti. La nuit, le monsieur a senti que les maux de ventre ont quitté. Jusqu'au matin, jusqu'à 10 heures, il ne sentait plus. À midi, il ne sentait plus rien. À 14 heures, il ne sentait plus rien. Alors que ces maux de ventre étaient continuels et fréquents, c'est-à-dire, comment on dit, continuels. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris, comment on appelle ça, une sonnerie dans le ville. Il a commencé à gongoler partout dans la ville. Il dit, écoutez, vous me connaissez et tout le monde le connaît. Le monsieur qui a les maux de ventre, qui ne s'arrête jamais. Il sort de corps dans la ville. Hier soir, Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri.
Je n'ai plus le mot de ventre, vous me connaissez. Je ne peux pas parler comme cela avant. Mais regardez, les gens étaient étonnés. Le soir, quand on est retourné, la place était noire du monde. Jésus, il guérit, il libère, il restaure. Mais il suffit que vous lui donnez votre vie. Qui est ici ce soir? Vous lui donnez votre vie à Jésus. Je vais laisser le micro, je vais partir. Vous lui donnez votre vie à Jésus. Vous lui dites, je veux te suivre. À partir de ces instants, il est minuit, non? Je veux te suivre, Jésus, toute ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Je veux que tu deviennes le Dieu de ma vie. Je veux que tu deviennes, oui, le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus vivre moi-même. Paul dit, ma vie actuelle, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voulez que Christ vive en vous? S'il n'y a personne, levez les mains, on va prier. Si vous êtes malade ici, ce soir, ce midi, mettez la main à l'endroit peut-être qui vous fait mal, ou vous sentez le mal. Je prie. Tout le monde, prions. Regardez, tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche. Que je parle de toi à tout le monde et qu'il accepte de te suivre. Donne-moi cette capacité. Manifeste cette capacité à moi. Elle est déjà là. Manifeste-la. Manifeste-la. Partout où je serai. Ton nom. Commencez par prier. Kachatakapa. Le kabarabashataka. E kabarabashataka. E kabarabashandalabosh. O rakabarabashataka. Nous prions au nom de Jésus pour bon samaritain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalabashataka barabashataka. E kabarabashandalabosha. Prie ce midi. Et si tu as mal quelque part, juste mettre ta main à cet endroit-là. La puissance de Dieu te touche. La puissance de guérison te touche. La puissance de libération te touche. S'il y a un lien dans ta vie, ce midi, le roi des rois descend. Seigneur des seigneurs descend. Il te visite dans sa puissance. Il te visite dans sa gloire. Il te visite dans son omnipotence. Et il te libère. Il te libère. Cette douleur disparaît à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la touche de Dieu pour la libération. La touche de Dieu pour la guérison. La touche de Dieu pour la délivrance. Dans ton corps de chair. Dans ton âme. Dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la touche. Reçois cette touche divine. De guérison. Yes. 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 Continue de le prier. Il est là, il te touche. Il te touche. Il te touche. Cette puissance divine. Kopashatakapadaba. Rakapashatakapalada. Yemandolobo shakalaba shandalaba. Rapapapapapapa. Yekapapashatakapa. Rakapashatako. Tout ce qui te bloque dans ta vie, au nom de Jésus, soit débloqué à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, toute ta force, oui, qui s'attaque à toi, à ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur apparaisse, pour les bouteilles dehors de ta vie, de ton entourage, de tes affaires, de tes projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Shalabashataka. Toi, tu es appelé à marcher avec lui. Tu es appelé à réussir.
qui est appelé à être en bonne santé, qui est appelé à te chantiprer à l'aide de ton corps de chair pour servir le Seigneur. Que cette douleur disparaisse. À l'instant même, 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 chaque pachata, que ce blocage disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Kapashata kamanaba, rakata kamanaba, emandalaba shakata kamanaba, rakapashata kamanaba, ekapalakata kamanaba, rababababa shaka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, levez vos mains, gardez le silence devant sa face. Pense à ta famille en instant même. Pense à ton fils qui s'est égaré. Pense à ta fille. Yes. Pense à ton petit-fils, à ta petite-fille. Le Seigneur les visite à l'instant même. Nous prophétisons leur salut. Shata, kanaba, shata. Nous déclarons et annonçons tout au Seigneur, comme le Fils prodigue, dans le nom où qu'il soit, quoi qu'il en soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit parle à leur cœur à l'instant même, que l'Esprit de Dieu touche leur cœur à l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chaka Padaba. Je demande, Père, si vous êtes là, que vous aimeriez peut-être qu'on puisse prier pour vous. Juste une seconde. Une seconde. Venez sur le devant. Une seconde. Vous voulez qu'on puisse prier pour vous par rapport à quelque chose, c'est pas. Au nom de Jésus. Mais je sais que le Seigneur vous touche déjà. Kolaba Shaka Padaba. Thank you, Jesus. Yes, love your name, Lord, Seigneur. Love your name. Hallelujah. Kola bashata kapara ba. Leimanda da bashaka ba. Eka. Il vient dans ta situation. 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 Tu ne resteras plus jamais la même. Tu ne resteras plus jamais le même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos mains. Madame, est-ce que vous voulez venir sur le devant? Mettez-vous là. Non, vous qui regardez derrière. Vous. Levez vos mains. Thank you, Lord. Chaka Padaba. Ce qui vous a amené sur le devant, auprès du Seigneur Jésus-Christ, pas chez un homme, pas auprès d'un homme, mais Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus auprès de qui vous êtes venu. Padaba, Chaka Padaba. Ce Jésus plein de grâce, d'amour et de faveur, et qui veut voir tout le monde se sauver, veut tout le monde être dans la joie. Il intervient dans ta situation, à l'instant même, à l'instant même. Je déclare et décrète un changement de toi, un changement de toi sans précédent dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, 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 il te touche, il te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adamashataka. De Dieu, au nom de Jésus, la guérison dans tout ton corps.
de tes pieds, de tes visites, de transformation, de changement de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Yes. Le Seigneur te touche. Partout. Le Seigneur vous visite. Le Seigneur te guérit de cette maladie. Il brise ce lien dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce qui se passe ici, le Seigneur veut se révéler à certains d'entre vous. Il va vous revivorer. Il va changer votre manière de l'adorer. Yes. Yes. Il vous visite à l'instant même avec sa puissance. Il vous connecte avec son trône de la grâce. Shadaba shadaba. Konadaba shadaba. Konadaba shadaba. Il se révèle à toi. Yes, il parle à ton cœur. Il te ramène tout près de lui. Chata. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Toi le chant. Tu es tout pour moi. Korabasha akapadaba. Je ne peux vivre. Et ta barra
Éternelle est une réalité. Soit en vie avec Dieu, soit en vie sans lui. Merci au frère pasteur Kossi. Merci pour la parole de Dieu qui nous rappelle que Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce matin, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à des personnes dans notre Église. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Sandrine.